Salut les filles, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un tuto chapeau. Et on va commencer par le matériel. Il y aura juste 3 points sur le matériel. Le premier, ça sera sur la pâte, une seule couleur. Donc moi, je vais prendre le noir, numéro 9. Deuxième point, emporte-pièce rond. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme ça, pas de problème. Vous pouvez utiliser un tube de Doliprane ou un tube d'Efferalgan ou tout autre emporte-pièce, enfin tout autre objet qui peut servir pour un emporte-pièce. Et troisième et dernier point, pour celles qui veulent l'accrocher, un clou à œil. Donc ce tuto va être très rapide, mais aussi très simple. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par faire un cylindre de votre couleur. Enfin, quand je dis que vous avez besoin que d'une couleur, vous pouvez faire le haut d'une couleur et ce qu'il y a au-dessous d'une autre, hein. C'est pas obligé, mais moi, ça fait plus joli en une couleur. Donc, vous faites votre cylindre et avec votre emporte-pièce rond, vous allez faire un disque. Un cercle, quoi. Puis ensuite, votre cylindre, vous allez à peu près le mettre au milieu. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, par contre, faites attention qu'il ne soit pas trop petit, ce qui est mon cas. Et bah, vous tapotez pour l'agrandir légèrement. Là, vous mettez au milieu. Ensuite, vous allez prendre deux côtés que vous allez rebiquer à peu près vers le chapeau. Comme ça, voilà. Donc en même temps que ce soit bien rond. Là, à peu près comme ceci. Et puis les deux qui restent, vous allez les rebiquer légèrement vers le bas. Légèrement. Donc, je vais zoomer. Voilà votre chapeau. Là, évidemment, vous n'êtes pas obligé de bien coller, hein. Vous pouvez décoller légèrement. Moi, je préfère quand c'est collé quand même. Ça fait un tout autre effet. Donc voilà, une fois que ça vous plaît, il vous reste plus qu'à mettre le clou. Donc voilà, ce tuto est terminé. Il a été très rapide comme je vous l'ai dit, mais bah, les étapes ne sont pas du tout longues. Et puis ben voilà, rejoignez-moi sur ma boutique. Si vous avez besoin d'un tuto en particulier, n'hésitez pas à me demander. Et puis ben on se retrouve sur ma boutique. Allez, salut!